Ok, je crois voir le bout. Ok, ça fait combien? À peu près 3. Oh! Ah, ça continue! Hey, salut les gros nerds! Alors on se retrouve encore une fois sur God Simulator 3 et comme tu peux le voir, je dois jouer en VR pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est un petit peu long, hein. Je vais évidemment couper ça au montage parce que là, c'est une véritable torture, hein. Oh là là, il y a tout, il y a même les bruitages. Oh, c'est dégueulasse. Franchement, ça donne envie de vomir. Je sais pas comment vous faites les gens pour jouer à des FPS de base en fait. Tiens, la route, j'y suis pas trop allé. Est-ce qu'on va lécher ce type? Oui, on a léché Nima Joyce. Mais alors le problème, c'est que pour foutre le bordel dans cet état-là, c'est très compliqué, hein. Et si je conduisais une bagnole, ce serait pas plus simple? Ouais, alors pour une fois, j'ai vraiment pas envie de d'éclater ma bagnole sur les trucs d'essence là. Ah bah d'accord, je suis coincé finalement. Bon. Oh, avec ma langue, je peux tirer la caisse, mais c'est tellement logique. Turbo, c'est carré, hein. Mais on l'avait pris ce putain de saut ou pas? Ah oui, alors là, ça va être compliqué pour ma chaîne, hein. Je sais vraiment pas ce que ça va devenir, parce que YouTube a décidé d'interdire tous les gros mots. Or, Gamer with Attitude, le concept, c'était un petit peu ça quand même, hein. Ouais, sans aller dans des gros mots très 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 sales, quand même, hein, si je peux même pas dire putain bordel de foutre à Dieu de merde. Bah écoute, il va falloir que je trouve une solution, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je dirais qu'avec des petits bruitages d'animaux, ça peut le faire. Je vais carrément arrêter de jouer avec ce casque-là parce que c'est insupportable et parce qu'en plus, j'ai gagné le petit trophée là. Enfin, le. Oh, d'accord, je me suis pris encore des bits. C'est le nom, ça s'appelle des bits. Je suis désolé, YouTube, cet objet-là, ça s'appelle des bits. Voilà. Oui, alors c'était les instincts, voilà, c'est les instincts en fait, c'est des petits défis. Danser à la rave, alors attends, Bounceburg, site de construction, voilà, jeter des ouvriers dans la bétonnière. On l'a pas fait ça. Et donc du coup, hey, regarde quand même, il nous reste un seul, hein, un seul symbole pour ouvrir la, un seul ou alors peut-être deux parce que peut-être que le dernier symbole sur la porte va jouer, hein, ça je ne sais pas. Alors la bétonnière, moi j'aimerais bien faire d'une pierre deux coups. Mission possible. Ouais, alors ça non, on l'a déjà essayé, c'est impossible justement. Fée clochard, alors ça me plaît bien. Alors tout ce qui est violet, hein, c'est pour le multi. Donc on va se TP. Est-ce que ce serait pas derrière le pont là? Mais si mon gars, je suis en train de jouer sérieusement à God Simulator en fait. C'est un peu, c'est peut-être le défaut de ce jeu, hein. C'est que t'as vraiment envie de faire des choses alors que l'autre t'avais envie de foutre la. Attends, parce que la voiture je l'arrêterai après jamais finalement. Tu vas t'arrêter, hein. Oh merde, c'est pas vrai. Eh hey Vince, viens ici. Ah, je t'attrape avec ma langue moi. Oh putain. Mais arrête, et franchement ça me vénère là. Vas-y, dégage. Oh là 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 là, la physique, y a Vince, tiens, tu vas dégager. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture elle est électrique? Bon, Vince en tout cas il a pris cher. Hein. On l'a. Bah les flics ça les perturbe pas du tout. Qu'est-ce que c'est là? Ah, la fée clocharde! Ah, mais il y a des clodos ici! Ouh là là, mais attends, ils ont fait. Mais carrément, ils ont fait un travail de dingue, hein, sur le stage quand même, hein. C'est toi la fée clocharde? L'aider à construire une maison, apporter un sac poubelle. Le look, au secours! Un sac poubelle! Attends, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas. Ah, voilà, je me suis dit, vu la poubelle dans laquelle tu vis, mon gars, c'est quoi ça? Il y avait un mec? Oh! Oh, il y a des paies! Ah non! Quelle horreur! Un jour, peut-être que YouTube supprimera les paies également, je ne sais pas. On ne pourra plus trop trop rigoler, hein. Ça c'est vraiment dommage. Tiens! Ah, bah voilà! Il y a des bruits de paies systématiques. Apporter un autre sac poubelle! Mais t'aurais pas pu me dire avant! Tiens, mon ami! Oh, mais regarde, ça se construit au fur et à mesure! Apporter une boîte en carton trop classe! J'en ai vu des boîtes en carton, et en plus, elles sont extrêmement classe. Voilà, elles sont là, mon ami. Tu veux laquelle, celle-là? Elle est carrée, elle est cubique. Elle est classe, moi je dis elle est classe. Moi je dirais que la cubique, elle est quand même très classe, hein. Home! Ah bah voilà! C'était juste pour mettre son panneau qu'il ait besoin de carton, quoi. Au secours, la logique. Fait que le chat, il m'a donné des ailes! Oh, il y a un passage secret ou quoi? Ah mais oui! Oh, d'accord, il y a des stages de fou, qu'est-ce qui se passe? Spam dans les airs pour battre des ailes.
Ouais, non, c'est pas terrible, quoi. Oh là 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 là, oh, c'est vraiment pas terrible. Tu peux pas gagner en altitude. Il est là-bas! Il est là-bas, là, fait clochard! Bon, écoute, on va se forcer à essayer de pas trop dire de gros mots. Ou alors, je vais laisser les bruitages d'animaux parce que c'est plutôt rigolo. D'accord, je suis censé aller dans ta main, là? Écoute, ouais, hein, on va essayer de viser parce que tes ailes, là. Ah ouais, faut apprendre à s'en servir. Oh, perlescent! Perlescent! C'est une nouvelle fourrure! Oh, regarde comme je suis beau! Oh là 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 là, j'ai les quadruples cornes et je suis perlescent! Alors, perlescent, effectivement, tu as vu, ça fait des reflets. Oh, il est magnifique, hein, notre petit. C'est quoi son blaze déjà? C'est Pilgore, hein, notre petit Pilgore. Il est magnifique comme ça, avec ses lunettes et ses petites ailes. Ah, ça fait du. C'est même pas du yoga, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes en train de danser? J'ai même pas envie de les perturber. En même temps, j'ai le bouton R2 qui me démange un tout petit peu. Bon, allez, voilà. Alors, Bénédicte, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui fais le cours. Eh, faites comme moi! Oh, faites comme moi! Ah, voilà, c'est exactement comme ça que je suis en train de faire. Voilà. Alors, toi, tu vas t'approcher de monsieur. Et puis, vous allez faire des choses. Oh merde! Oh là, zut! Zut, flûte, parachute. Il y a la tornade, il y a la. Oh, bon, je sais pas comment je vais pouvoir faire une vidéo sans dire bordel déjà. Ou si. Ou voilà, ou bordel de merde, ça va pas être possible, c'est très compliqué. Ok, donne-moi ta bagnole s'il te plaît. Voilà, on va être extrêmement poli. Par contre, on va t'écraser derrière parce que sinon tu vas me saouler, tu vas me voler la voiture pendant que je regarde la map. Une histoire de rondin. Ouais, ça me plaît bien ça, une histoire de rondin. Ok, on va vers la Syrie, mais alors t'as vu, je sais pas si on peut aller dans cette montgolfière. Peut-être qu'on essaiera après. Franchement, ils se sont vraiment inspirés de GTA, j'ai l'impression, parce que t'as l'impression d'arriver dans la Syrie dans GTA V, tu vois. Bon, une Syrie, ça ressemble à une autre Syrie, mais quand même, hein. Amener des bûcherons pour réparer la machine. C'est cette machine-là? Elle a l'air de très bien fonctionner. Attends, on va tester. Attends, on peut couper du bois? Oh, putain, c'est hyper dangereux. Viens, viens ici. Ah non, mais je dis tout le temps, putain, c'est pas possible ça. Je vais me faire démonétiser toute ma chaîne. Ça fonctionne là? C'est possible ça, YouTube, de massacrer des bûcherons avec une scie? Regarde. Il est déjà décédé? Oh, mince, zut, je suis passé à Saperlipopette, je suis passé dans la scie moi-même. J'ai dit merde, c'est pas possible. Oh là là, j'aurais beaucoup trop de travail d'édition, hein. Là ça va être compliqué. Ah oui, non mais attends, il est mort lui. On va en prendre un autre, on a cassé notre jouet. Il y a ici, tu vas me faire le plaisir de vérifier cette machine, s'il te plaît, parce que je crois que c'est cette machine en fait qui ne fonctionne pas. Je vais mettre un coup de boule. Ah, c'est là qu'il faut les mettre. Il a une véritable barbe de bûcheron. Et lui, est-ce que ça va le revive? Oh oui. C'est tellement nimp. Voilà, c'était pas logique, mais j'ai essayé quand même. Et alors, qu'elle est. Oh, uniforme de Mister. Uniforme de Mister. Oh mon dieu, quelle horreur, je hais les hipsters. Mais alors, ah, ils ont fait un jeu de mots avec Logon. Logon, se brancher, se connecter. Login, c'est se connecter. Logon, c'est ouais, c'est plutôt se brancher. Et Log, c'est une bûche en fait. Days since last accident, zéro. Bah évidemment, il y a un truc que je comprends pas. Ah, on a fait la jointure électrique, d'accord. Mais elle sert à quoi? Ah, log off. Oula, oula, oula. Mais qu'est-ce que c'est que cet énorme symbole phallique? Qu'est-ce que. C'est immense! Il n'y a pas d'arbre aussi grand sur Terre, c'est pas possible là. Ah, d'accord, il est en train de reconstruire du bois? Mais c'est absurde! Oh là là, mais c'est n'importe quoi! Il est en train de reconstruire. Plutôt que de couper du bois, la machine reconstruit du bois. Non mais c'est n'importe quoi! Il reconstruit un tronc, mais ça va jusqu'où là? Attends. Ah, mais c'est sans fin! Ah, c'est complètement sans fin. Ok, je crois voir le bout. Ok, ça fait combien? À peu près 3. Oh! Ah, ça continue! En plus, je peux pas courir, puis même, ce serait un peu dangereux de courir. Ah, c'est pour choper ça! Oh, donc c'est pas un bug, c'est fait exprès. Une babiole. C'est quoi ces gens qui sont prêts à. Ah, oh, attends, je vais pas chuter là. C'est quoi ces gens qui sont prêts à sauter là?
Ah ouais, mais il y a une babiole là-bas. Ah mais c'est bien, on va pouvoir revenir sur le tronc une fois qu'on aura pris la babiole, je pense. Ouais, alors la babiole. Oula, 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 oula. La babiole, je pense qu'il faut. Ah mais t'as vu son jean, il est fantastique. Allez, go. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, bas des ailes maintenant. Oh oui, bah c'est bien. Finalement, c'est plus précis, hein, c'est plus pratique que le parapente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire quoi, en fait, exactement? Ah, tu dis à ton pote de se dépêcher? Vas-y, oh, le bowling! Vous allez l'ouvrir le parachute ou... Ah bah non. C'est bien dommage. Ok, bah je pense qu'on va essayer de revenir vers notre tronc. Alors là, il s'agirait d'atterrir bien dessus. Oh putain. Dialogue-toi. Oh là là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que... Ah mais attends, mais grâce à ce tronc, on peut aller partout dans la ville. Mais c'est... C'est n'importe quoi. Mais ça... Regarde, regarde, regarde tout ce qu'on trouve. C'est... Ah non, 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 fais demi-tour, fais demi-tour. Ah, je peux pas aller en hauteur. Oh non. Ah, mais regarde, c'est fait exprès. On va pouvoir atteindre le tronc grâce à ça, je pense. En fait, ça me remplit de bonheur, ce tronc. Franchement, c'est n'importe quoi. Je sais vraiment pas comment je vais faire une miniature qui reflétera tout le bonheur que j'ai avec ce tronc complètement infini. Eh ben voilà! Ouais, bon, franchement, c'est vraiment trop galère. Je me sens un peu orphelin de mon tronc. Le tronc traverse la ville. Il y a la tornade. Enfin, tout va bien. Par contre, j'ai bien fait de quitter le tronc parce que regarde, je suis tombé sur un autre art de rue. On avait vu ça dans un précédent Let's Play. Hein. C'est pas ça, non. C'est pas l'hydrator, c'est le Banksy. Voilà, le petit Banksy. Allez, on va faire des tags. Oh là là, mais c'est. Oh, c'est excellent! Voilà, 2 sur 4, hein. Il m'en manque encore quelques-uns. Bon, j'adore, franchement, c'est vraiment cool qu'ils aient mis ce truc-là. En plus, ils sont excellents, les graphes. Hein. Je suis en direction d'un. Comment ça s'appelle? Un hôtel des instincts. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette tapette? Est-ce que tapette, c'est un gros mot YouTube? T'as bien vu qu'il y avait une tapette là. Ah, mais attends, l'hôtel des instincts, mais il est là-haut ou il est dans l'immeuble? Oh là là, on peut prendre l'ascenseur peut-être? Oh, nouveau costume! Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, j'ai volé quelque chose? Ah, il y a tout le monde. Ah oui, d'accord, c'est la guerre là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là là, mais nouveau costume gratuit? Mais de quoi vous parlez? Eh, mais t'arrives quoi toi pendant que je suis en train de regarder mes fringues? Tu me shootes! Ça me vénère ça! Espèce d'empaffé, va! Empaffé, je pense que c'est pas un gros mot, moi. Bon, alors, c'est ici. Est-ce qu'on peut pas prendre un vrai ascenseur? Ah, il y a une alarme! Mais on peut même pas rentrer! Mais je peux. Attends, va voir, oui, mais tu m'emportes où en fait? Ah oui, d'accord, tu me jettes juste. Ouais, je dirais que vers là, il y a ce qui ressemblerait plutôt à une échelle. Ok. Bon. Oh, il chante. Ah, c'est cool, il siffle. Il était une fois dans l'Ouest. Tiens, ça mérite. Voilà, une petite. Ah, oh, grand méchant. Il s'appelle Grand Méchant Loup. Mais il est étrange ce personnage. Allez, je crois que par la bouche d'aération. Ah, oh, regarde, regarde, regarde. Yes, on a trouvé. Oh, c'est pas mal. Allez, on les bat de tes petites ailes. Oh, elle est complètement KO. Du coup, il est où le... C'est quoi l'hôtel de je sais pas quoi là? Ah, c'est ça. Absorber le savoir. C'est le savoir. La bénédiction de nouveaux instincts. Ah, ça ouvre juste des instincts. Porter 25 objets. Ah, d'accord. Ouais, bah, c'est toujours sympathique. Un X sur la plage. Je crois que celle-là, on l'a pas vue. Ah oui, c'était plutôt explicite, hein. Oui, effectivement, il y a un énorme X sur la plage, hein. Ça c'est clair. Oh! Oh! D'accord, c'est pas du tout un trésor. Choper le butin. Mais quel butin? Pour avoir le trésor. Oh! Allez, chope, chope! Qu'est-ce qui se passe? Jack Spamo, mon gars! Jack Spamo! Oh, mais c'est magnifique, j'ai un chapeau de pirate. Et quand j'appuie sur R1. Quand j'appuie sur R1, il y a le Kraken qui vient m'aider. Oh là 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 là, ça va chier à loin. Regardez, on a foutu le feu. On a foutu le feu aux saucisses. Bon, allez, on a réussi. Je crois qu'on a réussi. Hein. On va peut-être aller au château chèvre. Ah non, forcément, la dernière étape, elle est quand même un peu plus longue, hein, évidemment. Hein. Ah, finalement, j'ai l'impression qu'on fait pas mal de choses. Et en fin de compte, c'est normal, hein, comme dans tous les jeux. C'est la progression est un petit peu plus longue. Bon, en tout cas, on verra ça dans un prochain Let's Play. Quoi qu'il arrive, n'hésite pas à liker et à t'abonner si t'as aimé la vidéo. Et surtout, à activer la petite cloche de notification. C'est ultra méga important. Quant à moi, eh ben, je vous dis à bientôt hein, sur God Simulator 3 ou sur un autre jeu. Allez, salut, salut!